passe au fond de l'avion. Mince, il est parti derrière là-bas. Écoutez, hein. Ça fait plusieurs fois qu'il passe. Il passe très bas, hein, regardez. Oui, oui, c'est un avion, je vous confirme. Hein. C'est pas une soucoupe volante. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vous l'aurais dit. Ça fait plusieurs fois qu'il passe et qu'il repasse. Il y a des gens qui se sont posés plein de questions. Pourquoi les avions des militaires passent et repassent. Les hélicoptères aussi, de l'armée, pourquoi ils passent en plein jour? Eux, ils passent en plein jour, alors peut-être qu'en pleine nuit ils passent, mais pour l'instant je ne les ai pas vus ou entendus. Là, il est minuit passé d'ailleurs, il est minuit, entre minuit et 1h du matin. Par contre, il y a les chasseurs, hein, on entend tirer. L'avion, il me fait courir, il fait tout le tour, il est parti au fond là-bas, je le vois plus, je l'entends mais je le vois plus. Et ça fait un moment, hein, qu'il tourne, je peux vous dire, hein. Ça fait un moment. J'ai regardé Star Trek sur la 8. Bon, je l'avais déjà vu au cinéma. Je vais attendre que l'avion revienne. Bon, si ça coupe, hein, ne vous inquiétez pas. Viens, petit chat. Petit chat, mon copain, le chat. Tiens. Oui, c'est l'appareil que tu as vu, pardon. Pardon, tiens. T'en veux plus? T'as assez mangé? Ouais, j'ai donné quelques friandises, vous voyez. Bon, vous voyez rien. Voilà, c'est des petites friandises que j'ai données. Voilà. Alors, je sais pas à qui il appartient, ce chat. Moi, je le caresse, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'aime pas. Dès qu'un chat s'approche, même de loin, il souffle. Il n'aime pas. Il n'aime pas. En tout cas, il est sociable, puisque moi, je sais que je peux le caresser. Il est sociable. Oh, c'était bon, petit chat. C'était bon. Petite caresse. Oui. Petite caresse. Oh là là. Oh là là. Oh, t'as assez mangé les friandises, tu sais. Oui, il a vu les chats, il souffle. Bon, allez, il me fait tourner en bruit que cet avion.
Qui est là-bas? Qui est là-bas? On voit rien avec mon appareil. Regardez les lumières. Où il va maintenant? Allez, reviens, je l'ai même à la maison. La rigueur, si je me planque dans une poubelle, ni vu ni connu, voyons, est-ce que je rentre là-dedans? Non, les fesses ne rentrent pas. Non. Ouais, si je me planque, ni vu ni connu, bon. Et voilà, la preuve en direct. Bon, je peux pas faire mieux, hein, un petit appareil, voilà quoi. Mais la preuve en direct, comme quoi il y a les avions qui passent en pleine nuit. Et non, c'est pas les avions pour transporter les gens, hein, d'un pays à un autre, hein, qui partent en vacances. Hein, non, eux, ils volent beaucoup plus haut, ils ont des petites lumières. Et on n'y entend pas le bruit comme ça. Donc, voilà. Donc là, il y a la preuve de ce que je dis. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi autant d'avions qui tournent en pleine nuit et des hélicoptères, alors c'est pas d'hélicoptères de SAMU ou de gendarmerie, non, ils sont de couleur gris, en tout cas de loin je les vois gris, alors je sais pas si c'est gris ou vert gris. En plein jour. Alors des fois quand je les vois passer, je fais coucou avec la main, avec le bras, vous savez, je fais coucou en l'air. Bon, au cas où que s'ils me voient, voilà, ils savent que je suis là. Doucement, petit chat. Voilà, si jamais on me cherche. Bon, ça va bientôt couper, hein, la batterie. La batterie, qu'est-ce que je dis? Il n'y aura plus de place sur la carte. Donc vous voyez la preuve que c'est vrai que les avions passent en pleine nuit et c'est pas les avions. Voilà. Non, c'est pas la 380 quoi, hein, vous voyez, vous entendez bien le bruit quand même, hein, on reconnaît. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les entendent, les avions, ils les voient, les lumières de loin, tout ça. Puis il y en a d'autres, comme eux, ils dorment, ils n'entendent rien, donc du coup, ils dorment. Et ils disent, non, c'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai, ben oui, c'est normal, tu dors. Comment tu veux savoir qu'il y a un avion qui passe si tu n'entends pas? Donc je me suis dit qu'à un moment donné, il va falloir que j'apporte la preuve. Il y a les avions qui passent en pleine nuit. Et ils volent quand même un peu bas, quoi. Hein. Ils ne sont pas en hauteur très très haut. Hein. Certes.
Celui-là, il rase pas le toit de la maison. Parce qu'il y en a certains, en plein jour, je n'ai pas réussi à les attraper au vol, quoi. Mais attention, il rasait vraiment. Waouh! C'était très très bas, hein, et en plein jour, hein. Énorme, hein, des avions énormes. Waouh! Alors là, j'ai râlé parce que j'avais pas l'appareil avec moi, je pouvais pas enregistrer. Donc voilà, pour certaines personnes qui dorment la nuit et qui disent que non, c'est pas vrai, que les gens disent n'importe quoi, ben voilà. Voilà. Moi, je vais vous dire, vous avez qu'à vous lever en pleine nuit et écouter s'il y a un avion qui passe, et puis là, vous sortez et vous le verrez par vous-même. Moi, je fais mes propres enquêtes, vous savez, les gens, ils parlent, ils disent les choses, après, c'est moi qui fais mes propres enquêtes. Je vérifie qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, ou est-ce que moi j'ai loupé quelque chose et que les gens ils ont dit vrai, parce que voilà. Non, on n'entend plus des chasseurs par contre. Ouais, ils ont dû réussir à peut-être attirer. Ouais, ils ont dû attraper un animal, on les entend plus. Hein. Malheureusement, les animaux, les pauvres.